Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une sortie particulière, c'est une sortie qui est réservée au Vitus 979 bleu. Mon guide s'appelle Guillaume et il va nous présenter son vélo. Ben écoute, c'est un maudit 979, on part se suicider avec mon ami Fred, il va se décoller de partout. On va revenir avec 4000 morceaux de Vitus parce que tout le monde attend qu'il se décolle de partout. Mais nous on les aime beaucoup. Ils sont mous comme des chewing-gums, mais on aime le chewing-gum. Donc c'est parti pour aller mâcher des chewing-gums sur 50 km. Là on a du superbe AX Shimano des années du début 80. Là on a du Omas, ça c'est de la qualité. Sinelli, beaucoup trop long. Je pense que je suis le dernier à avoir eu ces cocottes de chez Rustin. Là nous sommes sur du Simplex, là du Shimano. Qu'est-ce qu'on va dire? Ici, nous sommes sur du matériel espagnol, Iberia. C'est pas commun. Le plateau est typiquement français. Et puis, on va finir quand même par des petits moyeux avec des rondelles roses qui sont un signe de Maxicar petite flasque. C'est pas commun. Voilà, donc c'est une pure pizza. Et la pizza, franchement, c'est quelque chose d'excellent. On en mange dans le monde entier. Un peu de vigne ici. Ce qui est intéressant, c'est que le département, pour décorer les ronds-points, ben, il met des vignes. Je trouve ça toujours hyper pertinent. Allez, voiture, poussez-vous! Voilà, petite descente, on rentre dans Cesoras. Tu salues les gens à pied, même les tracteurs, tu salues les tracteurs. La haute montagne, c'est dur. Je ne mets que des guidolines. Ah, ça c'est une chaîne bien huilée. Quand même. Alors, je vous conseille la guidoline noire. Parce que la guidoline blanche, non. Non, ça c'est pas raisonnable dans le cadre du vélo. On repart. Oh mon Dieu. Il y a le moulin là-haut. Ah, le plaisir, c'est quand ça se finit. Hein. Franchement, il n'y a rien à faire. Hein. Thank you.
Et voilà, la balade se termine, on a dû faire une cinquantaine de kilomètres. C'est Guillaume qui m'a organisé ça dans le Minervois. Donc le Minervois, vous avez compris, c'est un territoire viticole. On y fait du très bon vin. Nous maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à table. N'est-ce pas Guillaume? Oui, alors on va faire bon, c'est l'époque des asperges, on va manger des asperges. C'est l'époque de l'artichaut violet, donc on va manger. Voilà, on va se régaler. Et moi, ben, comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.